Le match, on va dire que les 15 premières minutes, ça allait. Donc on était dans le match au niveau possession de balle, au niveau de l'envie, on était. Bon, après les 30 dernières minutes de la deuxième mi-temps, c'était un peu plus difficile avec la chaleur et les phases de jeu, d'autant plus qu'on a un super terrain. Waouh! Donc les contrôles, c'est difficile. On fait un contrôle sur le terrain, donc c'est pour ça qu'on a joué un peu long sur certaines phases. Et voilà, et que ça n'a pas abouti en première mi-temps. Donc voilà, donc. On essaie de remettre de l'ordre en deuxième mi-temps, donc vous avez bien pu voir en essayant de poser le ballon, même si on a joué contre le vent en deuxième mi-temps. Donc on essaie de jouer au foot et ça aboutit sur deux buts et c'est ce qui a permis la victoire. Depuis le début de saison, c'est que on a des occasions, on peut les mettre, mais à chaque fois, soit on manque de réalisme, donc la preuve aujourd'hui encore et chaque week-end, soit voilà, il manque un petit truc pour qu'on fasse la différence sur certaines phases. Mais bon, après ça va venir petit à petit. Il manquait deux joueurs offensifs aussi, à savoir Tarek qui était blessé malheureusement, et Nasro qui était aussi indisponible, qui est aussi l'un des meilleurs buteurs de l'équipe 1. Donc voilà, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, ça a manqué, on a eu pas mal d'occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. On a marqué deux, ça suffit. En 30, moi j'en ai mis un, donc voilà, je suis aux anges, on gagne 2-1. L'essentiel, c'est le résultat, et le résultat il est là, donc ça nous permet de remonter dans les premières places du classement et d'espérer peut-être la montée en DH. Oui, oui, ah oui, allez. Mais après, voilà. Après, notamment sur la journée d'aujourd'hui, on tient à remercier le club pour ce qu'ils ont fait et la mise en place. Hein, merci Jojo. Donc on tient à remercier le club, les supporters. Voilà, la Fal Saint-Jacques. Attends, c'était la fin. Non, la Fal Saint-Jacques, et notamment vous, comme dit Shark, les tiki-tac. Les cliniques. D'accord, les cliniques. Donc on vous remercie pour ce que vous faites pour le club, au niveau de l'image du club et puis dans l'ensemble, dans votre investissement. Donc on vous remercie. Donc à travers moi ou à travers autre personne, je pense qu'on vous remercie, j'espère. Donc voilà, on a passé une bonne journée, le soleil est présent et puis voilà. Espérons que la fin de saison elle soit comme aujourd'hui, quoi, que ça continue comme pareil, voilà, qu'elle soit joyeuse et que. Et qu'Edine arrive à l'heure aussi, ça serait super. Ouais, moi je travaille à l'île. Le dimanche, c'est un menteur. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux venir souvent en ce moment, hein. Mieux qu'au match aller, parce que deux événements importants organisés par Kinik. Et voilà, c'était très intéressant, il y avait de l'ambiance, il y avait des jeunes qui sont venus en famille. Et au bout, mes joueurs ont pu gérer cette pression-là, parce que c'était pas facile. Et au bout du compte, voilà, on a arraché cette victoire qui va nous faire beaucoup de bien. On a fait une très bonne entame de match. 20 premières minutes où on s'est créé des occasions, où on n'a pas laissé l'adversaire respirer. Sachant qu'ils étaient premiers, ils étaient devant nous au classement, ils étaient en deuxième position. Et par contre, après, on s'est mis un peu à reculer, on a lâché un peu l'aspect défensif. Il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et notre fin de première mi-temps n'a pas été bonne. Donc on pouvait que faire mieux en deuxième mi-temps. Et je pense que
les joueurs, voilà, il y avait des échanges entre eux à la mi-temps et ils se sont dit que si on a envie d'aller jouer le premier rôle, c'est un tournant et il fallait montrer notre visage. Le public nous a aidés, les jeunes, le beau temps, vous, donc toutes les conditions étaient réunies pour aller chercher cette victoire. Deux premiers buts qu'on marque, ce qui nous a fait du bien, c'est qu'on marque d'entrée. Le terrain ne nous a pas facilité beaucoup la tâche, hein, dans la construction, dans l'animation du jeu. Après, on prend ce but vers 20 minutes de la fin. Voilà, tout simplement, voilà, je pense qu'il y a un côté décompression, un peu de fatigue aussi, hein, parce que bon, l'événement, voilà, il y a plein de choses à gérer mentalement surtout. Et donc, le moindre relâchement, on l'a payé cash. Ouais, heureusement, j'avais pas beaucoup de. Enfin, j'avais que des défenseurs sur le banc. Donc, j'avais pas trop le choix offensivement. Et je pense qu'en tant que coach, et donc dans ces conditions-là, quand tu vois ton équipe qui baisse un peu, qui baisse un peu de régime, après, on discutera avec les joueurs. Est-ce que c'est mentalement, suite à ce qui s'est passé? Est-ce que c'est aussi physiquement? Notre souhait, c'est vraiment de stabiliser le groupe et surtout stabiliser le score. Voilà, avant de chercher à mettre ce troisième but. Et je pense que malgré tout, on s'est créé des occasions vers la fin, même à 2-0, hein, on aurait pu tuer le match. On ne l'a pas fait. Et en football, tout va très vite. Pas mal de jeunes, ils sont ils ont montré des qualités. Après la finition, voilà, la finition ça se travaille, ça se gère aussi. Et donc on n'a pas pu être efficace. Mais par contre, on a essayé de on a été combatif. Ça c'est le plus important. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, il nous manquait quelques joueurs. Et ce qui est bien, c'est que des fois, d'une semaine à l'autre, il y a 3, 4, 5 joueurs qui changent, mais l'état d'esprit reste le même. J'ai un groupe qui arrive à élever son niveau de jeu, qui est combatif, qui est capable d'aller chercher quand même des choses intéressantes, capable d'aller chercher une victoire. Et on est sur la même dynamique que l'an passé. Voilà, même si on a perdu beaucoup de points en match aller, je tire un grand coup de chapeau aux joueurs parce que c'était pas facile. Hein. Il y avait trois mecs en face qui jouent en CFA 2, et qui hier ne sont pas rentrés. Et ils avaient quand même halte malgré tout à venir chercher la victoire ici. Je suis très fier d'eux, même si certains joueurs étaient déçus d'avoir moins bien joué. Enfin, c'est normal. Saint-Jacques Foot, c'est un superbe club et il mérite de gagner. Puis surtout, merci beaucoup à tous les encadrants, tous les bénévoles. Et puis merci à Kenick pour tout ce que vous nous faites partager sur Facebook. D'ailleurs, vous avez fait un commentaire que j'ai trouvé très bien. C'est vrai qu'on donne une mauvaise image à Saint-Jacques. C'est pas vrai. C'est vraiment bon enfant, agréable. L'Alpha Saint-Jacques, le basket, est venu partager ce moment avec tout le public. Il y a une ambiance très agréable, très conviviale. Et c'est vraiment que du plaisir de venir passer des moments. Et moi, je peux vous dire qu'en tant qu'élu, venir passer un moment à regarder un match, même à l'Alpha, c'est un moment de plaisir. Où je partage un moment avec une grande famille, la famille du sport, la famille de la convivialité, et Saint-Jacques mérite d'être vu autrement. Saint-Jacques ! Saint-Jacques ! Saint-Jacques ! Saint-Jacques ! Allez Saint-Jacques ! Allez Saint-Jacques ! Alors le match, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, c'était un super match. Bah, il commençait à être 2-0, mais après... ils sont relâchés. Tiers, ils se sont lâchés un peu, et tiers ont pris un but. Il y avait une bonne ambiance, cette quelle ambiance a été, elle était bien. Ouais, surtout dans les vestiaires après. Les vestiaires, ça a crié. On a crié qu'on avait gagné et tout. T'as chanté quoi toi pendant le. Pour supporter l'équipe? Allez Saint-Jacques. Ouais. Ici c'est Saint-Jacques. Ouais. Vert, blanc, rouge, Saint-Jacques. Et tu penses qu'ils peuvent monter là? Bah oui. Ils peuvent monter en derche. Ils vont gagner Moulin 4-0 et puis c'est bon. Aujourd'hui, aujourd'hui,